see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Je suis Hervé Francis et bienvenue dans les dossiers de la vie. Ce tout nouveau magazine se penche sur la vie quotidienne de notre société. Pour ce premier numéro, Jean-Claude Botz et moi-même, nous avons concocté un magazine très surprenant. En effet, nous nous sommes penchés durant une semaine au milieu d'une famille débrouillère. Pas si ordinaire que ça. Nous retrouvons tout de suite Jean-Claude Botz sur le direct. À vous Jean-Claude. Tout à fait Hervé, je vous entends bien. Donc on est bien à la rue du Carlsberg, dans la famille des records. Voici le bâtiment où habite cette famille. Donc un bâtiment qui n'est certes pas à la hauteur de la famille, mais qui regorge en fait d'anecdotes historiques. On y va, vous me suivez? Donc cette famille, c'est bien la famille des records. Elle compte à peu près 15 membres et chacun a un record hors du commun, quoi. C'est vrai qu'une telle concentration dans une famille même, c'est quelque chose que c'est quelque chose d'unique au monde, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui les dossiers de la vie se sont penchés sur eux. Voilà. Tenez. Mandel. Voilà le rez-de-chaussée. Porte B. C'est parti. Bonjour. Cette famille des Houilles possède un destin incroyable. En effet, chacun de ses membres possède un passé incroyable. Nous allons tout de suite voir Jean-Claude sur le terrain. Jean-Claude, vous m'entendez? Nous avons un petit problème technique. Il me semble que nous avons un petit problème technique. On me fait signe que c'est bon. On retrouve tout de suite Jean-Claude Botz. Oui, Hervé, c'est donc ici, rue des Carlsberg, que tous les dimanches, cette famille extraordinaire, cette famille au destin pas comme les autres, se réunit tous les dimanches aux alentours de 17h, 18h, avec le patriarche de Tsekalé, San Giuseppe, comme il aime se surnommer. Voilà. Ben, on va les découvrir ensemble. Ensemble, c'est dans les dossiers de la vie. Le grand-père est né il y a 86 ans dans un petit village de Sicile appelé Favara. Son enfance fut marquée par un camarade de classe pas comme les autres, un certain Benito Mussolini. Ça va ? Ça va. Depuis qu'il a quitté son pays d'enfance, le grand-père passe des jours agréables dans sa paisible retraite. En effet, il aime bêcher, regarder la Rai Uno ou encore faire la minestra. Faire la pépa. Nous avons retrouvé la photo de classe de 1931 et on peut s'apercevoir que les deux camarades n'étaient pas si proches. Era un bravo garoto, meilleur que ce qu'on était d'autres. Durant son interview, le grand-père nous a raconté une petite anecdote. Oui. Non ci stava mai ferma, come una giornata mattina era tutto, e gli ero correndo, e gli ero rubando piccolini, a rubare favi, tutto va bene, abbiamo fame, gli era niente. Par la suite, Mussolini eut la carrière que vous connaissez tous. C'est donc une sacrée histoire que nous a raconté le grand-père de cette merveilleuse famille. Michael Jackson, Madonna, Rolling Stone, Stevie Wonder ou encore Shakira.
Ces superstars de la pop ont créé des modes, des styles, tout le monde les connaît. Toto, lui, est considéré comme un dieu vivant au pays du soleil levant. Il réunit des millions de personnes dans les rues des plus grandes villes japonaises et a vendu, en 2006, environ 100 millions de disques dès sa sortie à la première heure. Des fans se sont bousculés pour s'arracher le dernier album de la vedette. Là-bas, ils l'adorent. En juillet dernier, à Los Angeles, Toto est entré dans la légende. En effet, son nom a été gravé à Los Angeles dans une étoile aux côtés des plus grands. Il est entré dans la légende aux côtés des Rolling Stones et autres Elvis Presley. Si vous ne l'avez jamais entendu en France, c'est pour la simple raison que ses cordes vocales s'accordent parfaitement avec la mélodie seulement en japonais. Alors Toto, pourquoi la tournée en Europe ? Putain ! Entre ! Alors Kevin, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Il est 28h, c'est l'heure de la boum à Charlotte, hein ? Oh putain ! Bah oui, justement, c'est à cause de ça. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est mon bouton ! Mais attends, mais tu connais pas Bouton Plus ? Mais je vais pas aller à la fête comme ça, mais c'est quoi ça ? Mais c'est super ça, on a trouvé ça ! Chut, mon secret. Mais attention, n'en prends pas deux, parce que deux, t'es mort. Bouton Plus, c'est simple, c'est une capsule à prendre avant ta fête, et en une demi-heure, bah tu vas être le plus mignon des ados. Ah boule. J'espère que ça va marcher, hein. Une gélule par jour de Bouton Plus, et les boutons disparaîtront. Thank you.